Nous discutons effectivement avec le ministère depuis plusieurs années en tant que fédération de parents d'élèves et c'était une de nos demandes au sein du ministère que la circulaire précise que tous les achats groupés, enfin tout ce qui peut permettre aux familles de diminuer ses dépenses, soit inscrites et proposées aux établissements scolaires. Les associations disent qu'ils arrivent à avoir 20% de réduction sur toutes les papeteries et puis crayons et feutres, enfin, matériel scolaire. D'autant que nos associations essayent de négocier avec les fournisseurs un rapport qualité-prix très intéressant. Parce que parfois, les distributeurs proposent des prix très attractifs, mais une qualité assez moindre, ce qui fait que les parents sont obligés d'acheter plusieurs fois dans l'année, soit des feutres, soit des crayons, soit des stylos.